Hello tout le monde. Bon, vous connaissez ce Hello tout le monde gimmick. Retour à l'étagère à manga avec Fantine, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, qui s'était faite très absente des vidéos. Bonjour Fantine, qui ne veut pas dire bonjour, très timide. On va parler d'un manga que j'ai déjà installé ici, parce que c'était un peu la galère. Et ce manga, il s'appelle Maiwai, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. De Minetaro Mochizuki. Alors, c'est un des premiers mangas dont j'avais parlé quand je faisais ces vidéos sur Instagram, en story. C'est une série en 11 tomes. On va revenir là-dessus. Et on va d'abord revenir sur Minetaro Mochizuki, donc l'auteur de cette série, parce que c'est un auteur en fait très connu, enfin très connu, oui, très connu, on peut dire, et dont Mayway est en fait la série un peu inconnue. Bien que ce soit sa plus longue, comme je disais, 11 tomes, il n'a pas d'autres séries en 11 tomes, ni en plus. Il est connu principalement pour deux choses. Il est connu d'une part pour Dragon Head, qui est une série post-apo excellente. C'est un chef-d'œuvre du post-apo, qui est très connu, je vais pas en parler plus que ça, mais qui est un grand, grand manga du post-apo, avec un dessin qui joue beaucoup sur le noir, et qui est assez marquant sur voilà, une classe de lycéens qui se retrouvent piégés dans un tunnel. Il n'y a que trois survivants. Ils sont dans un train, ils passent dans un train en fait, ils sont en voyage de classe. Le train passe dans un tunnel, le tunnel s'effondre, ils ne savent pas trop pourquoi. Les trois survivants essayent de sortir et quand ils sortent, finalement, au bout de quelques tomes, ils se rendent compte qu'à l'extérieur, c'est pas mieux que dans le tunnel. Voilà. C'est une série très très connue. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un chef-d'œuvre du post-apo. C'est une des très grandes œuvres de ce style, tous médias confondus. C'est un grand manga, mais aussi une grande histoire de post-apo. Dragon Head en 9, en 10 tomes, pardon. Donc presque à égalité avec Mayway. Voilà, c'est peut-être son œuvre la plus connue. Et il y en a une autre qui est potentiellement la plus connue aussi, qui est Shizakobe. Qui est sorti en France au Lézard Noir. J'ai oublié de le dire, Dragon Head, c'est chez Pika en France. Vous avez l'édition en 10 tomes qui existe peut-être plus, mais qui a été rééditée en grosse édition en 4 ou 5 tomes, qui valent un petit peu cher, ça doit être 20 euros le tome, en grand format, qui elle est trouvable dans toutes les librairies. Et Shizakobe, c'est au Lézard Noir. C'est en 4 tomes, c'est une histoire réaliste beaucoup plus récente. Dragon Head, ça date de la fin des années 90. Shizakobe, c'est beaucoup plus récent et c'est très réaliste. Sur un jeune homme qui reprend l'affaire de son père après le décès de celui-ci, une menuiserie familiale, et qui revient dans le quartier un peu de sa jeunesse, qui refait connaissance avec une fille qui date de cette époque, et dont il était plus ou moins amoureux, enfin c'est pas très clair. Et voilà, c'est une histoire très chouette. Moi je suis resté un petit peu en dehors, c'est pas mon favori de Mochizuki, mais c'est une histoire qui a beaucoup plu, qui a eu un gros succès critique, notamment en France. Comme vous voyez, le bandeau nous montre qu'il a eu plein de prix en France, à Angoulême notamment. Voilà, c'est Shizakobe, ça a beaucoup marché. Donc il est très connu pour ça aussi, qui est trouvable partout. Il a également fait une autre série un peu moins connue, toujours au Lézard Noir, qui s'appelle Tokyo Kaido, qui est vraiment géniale. Celle-là, pour le coup, je l'adore. Sur un institut pour des jeunes qui ont des problèmes psychologiques. Et on va suivre ces jeunes. Il y a tout un truc méta. Il y a un des jeunes qui fait une BD, en fait, dont on voit des pages de la BD dans le manga. C'est très, très touchant. Il y a des moments où on chiale un peu. Voilà, on suit des jeunes un peu cabossés, un peu cassés, qui ont tous leurs tourments, qui ont tous leurs problèmes psychologiques. Et on s'attache beaucoup à eux. C'est très sensible, très subtil, avec quand même de l'humour, mais il y a un truc très émotionnel dans Tokyo Kaido. C'est en trois tomes. Ça vaut vraiment la lecture. Dragon Head et Tokyo Kaido, c'est deux très grands mangas de Mochizuki qui méritent largement votre temps et votre attention, je pense. Dernière chose en France, il avait également sorti chez Glénat, il y a maintenant quelques années. Un one-shot horrifique qui s'appelle La Dame de la Chambre Close. Comme vous voyez, le dessin, donc là, c'est ses débuts, ça doit être sa plus vieille œuvre, avant même Dragon Head. Dragon Head et La Dame de la Chambre Close ont un dessin, voilà, comme ça. Là où Tokyo Kaido et Shizakobe ont un dessin beaucoup plus ligne claire, vous voyez, il y a très peu de gris, c'est beaucoup plus épuré dans le dessin. Et il s'attarde beaucoup plus sur les attitudes des personnages, les mouvements. Je vous charge des pages un peu.
Voilà, sur les positions, il a un gros truc sur essayer de donner à ses personnages des positions un peu originales, de pas simplement les mettre face caméra, si je puis dire. On sent que ça l'intéresse beaucoup, la manière dont il positionne ses personnages. Là, vous voyez un petit peu dans Shizakobe. Et donc, La Dame de la Chambre Close, c'est un one-shot horrifique plutôt sympa, très honnête. Pas du tout un mauvais one-shot, un peu sur une stalkeuse, voilà, qui prend un peu arbitrairement, qui décide arbitrairement d'être obsédée par le narrateur, enfin par le héros de l'histoire. Il est un peu introuvable, je crois, maintenant, La Dame de la Chambre Close, mais il n'est pas très cher. De mémoire, j'avais regardé il n'y a pas longtemps, il doit être à une quinzaine d'euros, peut-être. Donc, il n'est pas méga recherché, mais vous allez plus le trouver dans le commerce. Voilà, donc c'est pour vous parler un peu de l'œuvre de Minetaro Mochizuki et de sa carrière. C'est un mangaka, c'est un auteur vraiment qui fait des titres bien à lui, qui ne produit pas tant que ça et qui a beaucoup marqué, notamment avec Dragon Head et Shizakobe. Et on a parlé beaucoup de mangaka dans ces vidéos qui sont plus un peu des employés des éditeurs, quoi, si vous voulez. Et je dis ça sans mépris en fait, mais qui travaillent pour des magazines, voilà, qui font des séries qui ne sont pas forcément leur idée première. Là, Minetaro Mochizuki, on est beaucoup plus, ça se sent à la lecture, sur un mangaka qui réfléchit à ce qu'il fait, qui ne fait que les œuvres qui l'intéressent, et qui fait des œuvres très particulières qui n'auraient pas pu être faites par un autre mangaka. Que ce soit Tokyo Kaido, Shizakobe, même si j'ai moins aimé, c'est pareil, c'est des choses très très particulière qui sortent un peu du rang de ce qu'on est habitué à lire en manga, même en manga réaliste. C'est du manga d'auteur ce que fait Minetaro Mochizuki. Et même le post-apo de Dragon Head est un post-apo bien particulier, bien à lui, très marquant. Donc voilà, c'est un mangaka qui a sa patte, qui a son style, qui trace son sillon manga après manga. Et c'est dans cette optique-là que Mayway est un manga intéressant parce que justement, c'est sa série la plus longue, c'est sa série qui a le moins marché, au moins en France. Personne ne la connaît quand j'en parle. Tout le monde connaît Minetaro Mochizuki dans les amateurs de manga, mais personne ne connaît Mayway. C'est très étrange. Ça a été édité par Pika, donc en 11 volumes, comme je disais. Bien que le 11e volume, c'est assez particulier. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai peut-être oublié de le prendre. Mais le 11e volume, il est tout petit par rapport. Ah ben le voilà, je suis bête. Le 11e volume, il est. Vous voyez, un volume normal fait cette taille-là, et le 11e, il est comme ça. Il est tout petit, c'est vraiment l'épilogue. Donc bon, on va dire que c'est plus en 10 volumes qu'en 11. Mais c'est assez particulier, c'est parce que c'est un manga beaucoup plus simpliste que les autres, qui nous raconte l'histoire de Funako. Donc Funako, c'est elle, qui est une lycéenne ultra bagarreuse, ultra forte à la bagarre, très décomplexée, c'est une fille très très volontaire, qui a peur de rien, qui n'a... qui ne baisse la tête devant personne et qui vit dans une petite ville côtière du Japon. Et son grand-père, qui est un pêcheur, est mort. Et en fait, elle va hériter à ses 18 ans d'une lettre qu'il lui a laissée et qui lui donne la carte, en fait, pour aller récupérer le... Enfin, pour rejoindre l'île des pirates, qui est une île sur laquelle les pirates auraient pendant des siècles... comment dire accumulé tous les trésors qu'il gagnait. Donc c'est une île sur laquelle il y aurait des milliards et des milliards de tonnes d'or. Voilà, elle va décider d'y aller. Et un peu pour partir à l'aventure, en fait. C'est les vacances d'été, avec deux, trois potes, elle va aller chercher ce trésor. Elle va partir en mer sur un petit bateau. Et elle va être poursuivie dans sa quête par des pirates. Mais alors des pirates modernes, si vous voulez. Donc avec des mitraillettes, avec des bateaux perfectionnés. C'est pas du tout One Piece, quoi. C'est vraiment des pirates crédibles, en fait, des pirates tels qu'on l'entend aujourd'hui sur les côtes somaliennes, par exemple. Et voilà, et donc ça va être une course au trésor entre elle et ses potes, d'un côté, et les pirates de l'autre. C'est très simple, c'est vraiment, en fait, c'est la version Mochizuki du récit d'aventure classique, en fait, de la fin de l'adolescence, des adolescents qui décident un peu de s'ouvrir au monde, d'explorer le monde. Qui cherche à se dépasser, en fait, à trouver une cause plus grande qu'eux, à vivre une aventure. Et en fait, il n'y a rien d'original dans ce schéma d'histoire. C'est un schéma d'histoire, notamment en littérature jeunesse, qu'on connaît depuis
au moins l'îlot trésor, et en fait depuis même bien avant. C'est l'aventure initiatique, dans son sens le plus épuré. Et c'est très intéressant, en fait, bizarrement, de voir un auteur comme Mochizuki, qui est habitué à des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus douces dans les émotions, s'aventurer comme ça sur un manga d'aventure ultra basique, avec beaucoup de bagarres, comme vous voyez, beaucoup de rebondissements un peu à la Indiana Jones, en fait, quand ils arrivent sur l'île des pirates. Je vais essayer de vous trouver quelques images. Quand ils arrivent sur l'île des pirates, il y a tout un truc avec des énigmes. Voilà, faut s'accrocher à des falaises, comme vous voyez. Il y a des couloirs avec des vents, trouver comment passer le couloir. Il y a un vieux temple aux allures un peu maya. Mais on est au Japon, donc ça ne doit pas être ça. Mais voilà, il y a un requin géant qui les poursuit aussi. Il y a tous ces trucs-là qui sont très récits d'aventure maritime, comme on en a vu plein d'autres. Et pourtant, si j'ai décidé de vous en parler, c'est qu'en fait, quand même, ce récit se démarque vachement, déjà par sa modernité, par le fait, comme je disais, qu'il n'est pas du tout situé à la grande époque des pirates, un peu fantasmée, parce que cette époque-là, en fait, elle est très floue. Il y a plein d'historiens même qui reviennent vachement sur ce mythe des pirates, que ça n'a peut-être pas autant existé qu'on le disait. Mais donc là, on est dans une époque moderne, et c'est une modernité narrative aussi, qui prend en compte tous les éléments du manga moderne, avec l'héroïne volontairement sexy, et le Minetaro Mochizuki joue vachement là-dessus. Ça devient presque une parodie d'héroïne sexy, vous voyez, avec des plans comme ça tout le temps, mais qui sont des plans qui sont finalement pas très sexy, en fait, en tant que tel. Je pense que celui qui veut un manga érotique va être très très déçu avec Meiwai. C'est absolument pas le cas. Il y a un côté, ouais, parodie de manga d'aventure, mais une parodie très bienveillante, en fait, qui tout en se moquant un petit peu des codes du genre, les respecte quand même et nous donne une aventure qui est en fait plaisante. Et ça ne se moque pas du lecteur. Ça peut se moquer de certains clichés, de certaines choses qu'on a vues plein de fois, mais ça ne se moque jamais de la volonté de vivre une aventure par le récit. Et ça le fait très honnêtement. Il y a une grosse passion dans le récit pour la mer, pour l'océan. On sent que Mochizuki avait envie de faire des dessins maritimes. Il y en a, comme vous voyez, là je tourne les pages, il y en a beaucoup, beaucoup, que ce soit d'animaux marins ou simplement de la surface de l'eau, du ciel, des tempêtes. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de dessins comme ça. Les personnages sont très attachants, même les méchants, on va dire. Toute la petite équipe de Funako est poursuivie par cet homme-là, qui est un pirate un peu ténébreux, un peu le beau gosse pirate, comme vous voyez. J'écarte un peu la caméra. Et dont Funako tombe un petit peu amoureuse au fur et à mesure. C'est le méchant, pas si méchant, qui cache des blessures internes. Et donc, c'est un manga qui est très compliqué à aborder parce que à la fois très simple et en même temps très attachant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement sa simplicité, comme je dis, de la mettre en relation avec la carrière de Mochizuki, avec le fait que ce soit un auteur habitué à des choses beaucoup plus complexes, et de se demander pourquoi il a décidé de faire ce récit-là, pourquoi il a fait cette série qui est la plus longue de sa carrière. En plus, c'est des gros tomes, hein. Pika, là vous ne le voyez pas forcément, mais c'est des tomes grand format, en fait. Qui sont plus grands que les mangas habituels et qui font plus 300 pages que 200, en fait. Vous voyez, ouais, là on est à 200, 263 par exemple. Donc c'est une série assez longue et c'est intéressant de la mettre en perspective avec le reste de sa carrière et de se demander ce qu'il a exprimé là-dedans. Et je pense qu'il a voulu faire un récit simple. En fait, il a voulu aller à l'essentiel du récit d'aventure, faire le récit d'aventure dans sa forme la plus pure. Modernisée, faite au goût du jour, avec les codes du manga d'action, avec des personnages qui ressemblent à des personnages de manga d'action, mais dans sa narration, dans son déroulement, dans ses péripéties, c'est le récit d'aventure de base, mais de base au sens noble, c'est-à-dire il a repris l'essence de ce qu'est un récit d'aventure, même le thème des pirates, on est sur la base du récit d'aventure. Le récit d'aventure à pirates, c'est quelque chose de très fondateur en littérature. Et encore une fois, avec L'île au trésor de Stevenson, hein, notamment, qui est un livre qui aujourd'hui est un tel classique qu'on a l'impression de l'avoir déjà lu, même si ce n'est pas le cas, mais qui est en fait,
pour le roman jeunesse qui est vraiment ultra fondateur, bien plus que plein plein d'autres. C'est un des trois ou quatre romans les plus importants du récit d'aventure de toute l'histoire de la littérature, je pense. Et là, je pense qu'il a voulu revenir à ça, créer lui aussi quelque chose, alors pas de fondateur, parce qu'il reprend des codes déjà existants, mais quelque chose de... Ouais, d'épuré. On en parlait sur Shiza Kobe ou sur Tokyo Kaido. C'est quelqu'un qui, dans son dessin, est très sur l'épure et qui, je pense, l'a tenté l'épure narrative aussi. Et c'est réussi parce que même si le récit de Meiwei n'est jamais très surprenant, on n'est pas, on va pas de surprise en surprise. Il ne joue pas, même formellement, c'est pas très surprenant. Hein, vous voyez les dessins. Je pense que vous n'êtes pas ébouriffé par la mise en page ou quoi que ce soit. Mais il a fait une épure, il a essayé de rendre le récit le plus simple possible, de faire le récit d'aventure le plus simple possible, et tout en le gardant à un très haut niveau de qualité. Et c'est parfaitement réussi. C'est un récit passé vraiment inaperçu en France. D'ailleurs, les tomes sont introuvables. Certains numéros sont extrêmement chers sur le marché de l'occasion. Moi-même, il m'en manque un. Il me manque le cinquième, qui est à 150 euros sur Amazon, donc il est hors de question. Mais si un jour je le trouve pas cher, je sauterai dessus. Mais ouais, il est passé complètement inaperçu, donc je voulais un petit peu en parler, parce que c'est l'œuvre la plus simple de Minetaro Mochizuki, et par sa simplicité, elle en devient peut-être aussi son œuvre la plus attachante, en fait, la plus innocente dans son déroulement, dans ses intentions, qui sont encore une fois une intention de récit d'aventure, simplement, ni plus ni moins. Et en fait, c'est rare finalement d'avoir une intention aussi simple. Il y a toute petite intention de parodie, comme je disais, notamment dans le personnage de Funako, dans son côté sexy, notamment. Vous voyez, ce qui n'est pas du tout présent dans ses autres œuvres, ce qui est à noter, c'est clairement une spécificité de Meiwai, et c'est une spécificité qui est faite avec une certaine moquerie, mais qui est une moquerie encore une fois bienveillante, qui, vous voyez, plein de pages comme ça. Et donc voilà, donc c'est un récit très simple, mais très attachant. Funako est ultra attachante. Jeune femme ultra forte qui ne s'en laisse compter par personne, qui reste l'héroïne de A à Z, elle n'a jamais besoin d'aide, c'est elle qui save the day en permanence. Et donc, ouais, récit très attachant, très divertissant, grand divertissement d'aventure, vous vous ennuyez jamais, c'est très bien mené. Il n'y a pas vraiment de méchants, même les méchants sont plutôt sympas, c'est pas du tout glauque, c'est pas du tout inquiétant. Voilà, c'est de l'aventure bon esprit. Et en fait, ça fait du bien de lire un récit comme ça, parfois, tout simple qu'il soit, qui dégage une certaine innocence, en fait. Voilà, donc je voulais même pas réhabiliter, mais en fait faire connaître Meiwei, parce que je pense que très peu, enfin quasiment tout le monde est passé à côté. Et c'est marrant, parce que c'est un auteur, comme je dis, qui est devenu presque un grand du manga moderne. C'est Minetaro Mochizuki. Quand vous parlez à des amateurs de manga, à peu près tout le monde connaît et tout le monde apprécie son travail. Et donc, Meiwei, c'est son œuvre cachée, presque, si j'ose dire. Donc, en 11 tomes chez Pika, très dur à trouver, je vous préviens. Après, bon, Internet est là, hein, vous savez quoi faire. Si vous voulez lire Meiwei, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, si vous voulez les livres, si vous voulez la collection, ça va vous coûter très très cher et de vous demander pas mal de recherches sur Internet. Voilà, donc je voulais réhabiliter, faire connaître, comme je disais, Meiwei, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un récit différent. Et je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se quitte avec Fantine, la tradition, et à très bientôt.